Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Rocoy, la 26e, avec parmi nous à la régie. Igor, salut tout le monde. Jean, salut. Et Robert, salut. Donc, la 26e, la dernière de la saison. La prochaine, ça sera au mois de septembre. Le 1er septembre. Ouais, le mardi 1er septembre. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, chers et uniques auditeurs, peut-être, l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, c'est ce que nous devons faire, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Mais enfin, on devrait parler bigourdant et en réalité, on parle bosseron. Avec tout de suite, bien entendu, ce que vous attendez avec impatience, vous tapez les pieds depuis une semaine, pour la minute de militance de Raymond La Science. Oui, et qui va peut-être permettre de comprendre pourquoi Robert roule les airs depuis le... Enfin, essaye de rouler. Depuis le début de sa petite chronique. Alors, devinez qui j'ai croisé il y a 2 jours seulement. Hein. C'est du tout frais. Enfin, quand je dis croisé, disons plutôt qu'il m'a doublé, hein, pour être précis. Il était aussi proche de moi, physiquement, hein, je précise quand même, que peut l'être Robert, là, à cet instant. Lâche. Ouais, enfin, façon de parler. En moins beau, hein, je précise tout de suite. Lâche. Ouais. Jean-Pierre Raffarin. Alors, je sais pas si tout le monde, peut-être, c'est très ancien maintenant déjà pour certains. Je rappelle que ce monsieur... C'est un chanteur français. Un chanteur français, oui, qui a été un des premiers ministres de Jacques Chirac. Oui, Igor. Ça fait combien de temps, Igor, que tu es arrivé déjà? Non, mais je déconne. Et il est l'inénarrable auteur de La France d'en bas. C'est celui qui a renvoyé au sommet La France d'en bas. Voilà, tout le monde le resitue. Il y avait là une queue, alors je ne vais pas vous dire exactement dans quelles circonstances, mais il y avait une queue d'à peu près 220 à 230 personnes au bas mot, chacune dans laquelle chacun ou chacune attendait sagement son tour. Et voilà notre gros Raffarin qui remonte la file, situé à sa gauche, son œil au bord noir du Poitou obstinément rivé à sa droite. Pas un regard pour le bon peuple, et que je te passe tout le monde, pour prendre la première place, qui était occupée par une femme enceinte jusqu'aux yeux. Oh non. Ah si, 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 si. Et là, un doute affreux m'étreint, alors je vois 3 possibilités. La première, c'est que personne n'a pensé à prévenir Jean-Pierre Raffarin qu'il n'était plus le Premier ministre de la France. Ouais, et ça c'est vraiment très grave. Et ça c'est, mais ça justifie pas de toute façon qu'un premier ministre en exercice ait ce type de prérogative. La seconde, quand on lui virait à la fin de son boulot à l'Élysée, enfin à Matignon, on lui a pas prévenu que ça finit. Mais je suis pas sûr, si tu veux. Alors il y a une autre possibilité, c'est que parce qu'il était avec sa femme, qui a l'air d'être d'ailleurs tout à fait charmante au demeurant, hein, j'ai vraiment vu à ça. Mais non, mais Jean, les femmes qui trouvent pas charmantes, on les connaît pas. Elles n'existent pas, oui, c'est possible. Il est possible que ce soit Madame Raffarin, que personne n'ait pensé à prévenir, que son mari n'était plus Premier ministre. Et lui, il n'ose pas le faire, et donc il supplie un certain nombre d'organismes de faire comme si, voilà, bon, pour que surtout sa femme n'apprenne pas ce qui lui est arrivé. Et puis la troisième possibilité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'excuse rien, c'est que ce type de prérogative reste attaché éternellement à quelqu'un qui a occupé les fonctions de Premier ministre en France. Enfin, de toute façon, j'ai trouvé ça lamentable, quoi, pitoyable. Il y a quand même un petit détail qu'il faut rajouter. Enfin, Monsieur Raffarin, c'est vraiment nul. Hein. Je sais que vous nous écoutez. Hein, vous ne ratez jamais l'émission à Racaille. Je sais que vous nous écoutez. C'est à chier. Oui, mais là, il saura qu'il est plus Premier ministre. Ouais, là, maintenant, il sait. Vous savez que vous n'êtes plus Premier ministre. Alors, par contre, je voudrais dire un truc. Je vous ai trouvé, Jean-Pierre. Je peux vous appeler Jean-Pierre. Je vous ai trouvé très en forme physiquement. Non, non, sérieusement, il avait rajeuni, il avait un côté bronzé comme ça, il a même minci, il a rajeuni d'au moins 15 ans.
Bon. Donc je pense que il était à La Rochelle, ça lui a réussi très bien d'être de se la couler douce à nos frais et d'avoir arrêté le boulot qui, c'est vrai, doit être assez fatigant. Alors j'ai envie de donner son exemple à suivre à tous les mecs de droite, en fait. Donc je m'adresse à tous les mecs de droite. Suivez l'exemple de Jean-Pierre Raffarin, les mecs. Arrêtez tout, prenez des vacances, partez élever des chèvres à Chasseneuil du Poitou, je sais pas moi, soyez créatifs. La politique, c'est pas votre truc, les mecs. Voilà, hein. Et on va remettre avec Robert pour m'accompagner et pour faire un petit clin d'œil à Raffarin, on va remettre au goût du jour une petite chanson des années Chirac. Hein, Robert, t'es d'accord ? Ah, tout à fait d'accord. Tout à fait. Et après, il arrêtera de rouler. Préparez-vous pour tout. Un, auditeurs. Deux, trois. Une flamme sacrée nous monte du Poitou et la France enivrée salue ton ventre mou. Ernest Antoine Sellière vénère ton talent. Tu passes la salière et tu réponds présent. Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Raffarin, Raffarin, nous voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que il mérite pas. Est-ce que vous pouvez faire la prochaine fois en début de l'émission aussi les cerises et après à la fin de l'émission aussi les cerises? Non, non, ça fait. Non. Jean va nous réécrire le temps des cerises. Non, on invitera des professionnels de la profession pour ça. Mais Jean, je voudrais seulement que tu puisses préciser pour nos chers auditeurs, comme les appelle notre cher clandestin préféré Igor, comment s'est terminée cette histoire de con? Est-ce qu'il est resté devant? Il est resté devant du début à la fin. Voilà. Monsieur Raffarin, personne n'a protesté. Et écoute, ça s'est passé tellement vite. Ouais. Et ensuite, on l'a fait. Il y avait un gorille devant, un gorille derrière. Il était accompagné encore par d'autres personnes. Ils l'ont fait rentrer le premier, comme ça, vite fait, en catimini. Ça a été tellement rapide que le temps que tu analyses la situation, il était déjà à l'abri. Vous savez, en plus, ils sont tellement sûrs de eux, ces gens-là, que ça te prend toute envie d'aller lui dire quelque chose ou d'agir. Ils le font comme s'il n'est pas possible de faire autrement. Oui, mais moi, je connais un mec, et ça, c'est une histoire tout à fait vraie, malgré que je sois un gros menteur. De temps en temps, je dis des choses vraies. C'est en avion. Un copain du sud là, où il y a un festival de musique classique tous les ans, ça m'échappe, à La Roque d'Anthéron, un copain de La Roque d'Anthéron qui prenait toutes les semaines l'avion pour revenir à La Roque d'Anthéron depuis Paris, donc il était en classe affaires. Il avait sa place, il prenait toutes les semaines, et un jour Giscard d'Estaing, qui était plus président comme Raffarin, mais pareil, qui veut le faire éjecter. C'est l'idole de Raffarin. L'idole politique, non. Qui veut faire éjecter le copain de Saussure en disant, mais monsieur, je suis le président. Enfin bref, vous connaissez le mec, à sa suffisance. Le copain dit, pas du tout. Il dit, moi, c'est ma place, je l'ai loué, je prends l'avion, il a même pas donné d'explication. Niette. Et le Giscard d'Estaing, il est reparti la queue entre les jambes, pas content du tout, mais vraiment pareil, la même chose que ça. Ouais. Le mec, il arrive, il y a un type qui revient du boulot chez lui après une semaine d'exil à Paris, et l'autre gros con, grand con plutôt, qui veut lui chourer sa place. Quoi. Ah, même non, mais s'il n'y a pas de boulot, il a rien à... Il a rien à dire, je suis président, ou il a rien à s'imposer, etc. Mais c'est aberrant. C'est pour ça. Moi, j'aime bien cette histoire. Parce que, normalement, on doit réagir toujours par rapport à la logique. Et puis, comme c'était un copain qui mesurait, qui était peut-être même encore plus grand Giscard d'Estaing. Il peut avoir trois gorilles s'il veut. Une gorille, il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Tout à fait. Tu vois, donc, mais des gens, ils ont, tu sais, ils se sous-estiment par rapport à ça. Les gens, ils se disent oui, je laisse tomber parce que je peux avoir des ennuis, mais c'est pas une bonne démarche. Non, faut tout pas. À fait.
tout à fait. Il faut pas. Je rappelle que Giscard avait fondé les Républicains indépendants. Oui, bien et connu. Que Raffarin, qui a fait partie des jeunesses giscardiennes, en fait, lui, savait. Avant de passer au RPR, il était au, ou à l'UMP, il était au, Parti Républicain. Il avait, bon. C'était pas la peine de couper la tête des aristos en 1789 pour que les Républicains se conduisent comme ça aujourd'hui. Non, non, mais c'est tout à fait. Bon. Non, mais ce sont leurs dignes successeurs. Je vais attaquer ma revue de presse. On va arrêter sur Raffarin. Parce que c'est vraiment un pauvre mec. Voilà. Mais sa femme est charmante. Hein, Mais là, t'es pas crédible parce que tu trouves toutes les femmes charmantes. Une femme délicieuse ne peut pas s'être trompée à ce point. Et ce mec est peut-être aussi con qu'il en a l'air. Ouais, mais tu vois, la femme de Sarkozy. Hénin Beaumont, vous avez entendu parler d'élection à Hénin Beaumont. Élection municipale à cause d'une invalidation ou non. C'est un maire socialiste qui a été mis en examen. Donc, il y a une élection. Premier tour, le FN arrive en tête avec 39,34% des voix. C'est dans quel bled ? Hénin Beaumont, c'est dans le Nord. Dans le Nord, ouais. D'accord. C'est un patelin ch'ti, je ne sais pas combien il y a d'habitants. Hein. Alors, aussitôt, évidemment, il y en a qui crient au loup. Le Front Républicain se reconstitue, pendant que d'autres argumentent sur le fait qu'il serait temps de laisser sa chance au Front National. Non, mais attendez, il l'a eu, sa chance, le Front National. Je rappelle quand même qu'il a réussi à décrocher certaines mairies dans des élections précédentes, dont certaines d'importance. Hein. Alors, une petite piqûre de rappel. Marignane. Ancien fief communiste. Ancien fief communiste, oui. Daniel Simon-Pierry, du Front National. Explose l'endettement de la ville. Il a été élu. Hein. Explose l'endettement de la ville. Pulvérise les impôts locaux. Et s'est finalement fait sortir, malgré le soutien de l'UMP, par un divers droite venu de nulle part, que personne ne connaissait. On se demande bien pourquoi, avec un bilan aussi brillant. Hein, oui, avec un bilan aussi exemplaire. À Toulon, ça vous rappelle quelque chose, oui. Jean-Marie Le Chevalier. Oh oui. Hein, Chevalier noir. Le chevalier au nez rouge, oui. Le chevalier noir au nez rouge. Jean-Marie Le Chevalier explose l'endettement, décidément c'est une constante chez eux, hein. Détourne des fonds publics, discrimine à l'embauche, je vous en passe et des meilleurs, hein. Tout le monde connaît la fin de la belle l'histoire. Orange. Ah Orange, eh oui. Jacques Bompard est mis en examen, et ça c'est tout récent, il vient d'être mis en examen, jusque-là on le voyait comme une espèce d'exception qui confirme la règle. Il vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Vous me direz que de toute façon qu'il était passé au MPF. Mouvement pour la France, ça c'est Philippe de Villiers, oui, Seignon le prieur. Oui. Ouaf, enfin bon, Vitrolles. Ah, Vitrolles. Eh oui, le Maigret chaud. Oh. Mmh. Celui qu'il faut surtout pas confondre avec Jules, hein, le raccommodeur d'âme de Simenon. Tout quoique mi fili, botus et mouche cousue, bon ça on va même pas en parler. Hein. 100% d'expérience au FN sur la façon de faire main basse sur les deniers publics. Des hommes de qualité. Hein. Mais je ne me fais pas de mousse, ils vont nous ressortir la vieille théorie du complot. Toujours pareil avec eux. Hein. Avec un chef Fayon qui conteste régulièrement la notion de crime contre l'humanité commis par les nazis, ses amis, on a une idée précise de la moralité et de l'honnêteté qui règne au sein de ce beau parti. Frédéric Mitterrand, nommé ministre de la Culture. Sérieusement ? Mais t'étais pas au courant. Ah, pas du tout. Oh, non, mais c'est moi qui descends de la montagne. Moi, je descends de mon arbre. Ah non, Robert. Bon, le tonton avait écrit un livre fameux, hein ? La paille et le grain, ouais. Où il laissait vagabonder sa pensée avec une certaine verve poétique. Hein. On espère du neveu qu'il publie rapidement La graille et le pain. Un livre où il nous expliquera son empressement à aller à la soupe sarkozienne. Hein, ça devrait pas tarder, on risque d'avoir ça avant Noël, hein, comme cadeau pour les fêtes. Pour le reste, on remarquera qu'il devient ministre au moment précis où son génie créatif semble mort. Mais ça peut faire un très très bon ministre. En tant qu'artiste, il est mort, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Je pense que un artiste qui serait en pleine possession de ses moyens créatifs ferait pas forcément un bon ministre. Frédéric Mitterrand peut très bien faire un très bon ministre de la Culture, y compris dans un gouvernement Sarkozy. En tout cas, on l'espère, nous les artistes, on verra bien. Woody Allen voulait faire tourner Carla Bruni. T'as entendu parler de ça ? Bah, c'est toi qui m'en as parlé. Ah, c'est moi qui t'en ai parlé. C'était ma source pour les infos, parce que... Mais figurez-vous que la piailleuse caviar, comme j'aime à l'appeler, encore un surnom d'oiseau, a ses têtes
Et vous savez ce qu'elle lui a répondu ? Donne l'oseille et tire-toi. Non, mais quel culot. Enfin, plutôt, give the money and run. Bon, enfin, la femme du premier écologiste de France, Nicolas Culot, de sa part, hein, rien ne nous étonne plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Merci Raymond pour cette minute d'un quart d'heure et même un peu plus. Avec notre clandestin Igor, on a fait quand même des commentaires qui ont ajouté cette minute. Et puis cette petite chanson. Et puis cette petite chanson pendant laquelle on a pu profiter de tes talents. On vous en fera de temps en temps quand Jean aura l'inspiration, évidemment, parce que c'est lui le compositeur des textes. Je te crois volontiers. La flamme sacrée qui monte du Poitou, ça, en fait, c'était un jingle qui était utilisé, je ne sais plus de qui c'était utilisé par Daniel Mermet. Ah ouais? Pendant toute l'époque où Raffarin était Premier ministre, comme... en ouverture de l'émission Là-bas si j'y suis. Ah, voilà. Ah, bah, les bonnes sources alors. Ouais, les bonnes sources de montagne. Et puis, je pense que Robert est très doué pour la marche militaire. On y reviendra. Ah, c'est dégueulasse. C'est dire des trucs pareils en plein dans Radio Libertaire. Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel, la 26e. Et de la musique, maintenant, Igor est à la tâche.
Arakaï, la 26e, et la dernière avant les grandes vacances. On reviendra le 1er septembre, en espérant que vous tiendrez le coup, ce qui est, enfin... qui n'est pas certain. voilà. Tout à l'heure, je vous ferai quelques petites annonces, mais en attendant, pour bien rentrer dans l'émission, on va écouter la citation de Jean et son commentaire qui concerne aujourd'hui l'œuvre d'Émile Zola, un livre qui a complètement transformé ma vision de l'artiste lorsque j'étais un adolescent boutonneux. Eh ben, j'en étais un autre, mais ça devait être à peine quelques années plus tard. Et c'est pareil, tiens, ça m'émeut que tu dises ça. Donc, un extrait de l'œuvre, ça a été écrit en 1886 par Émile Zola. Zola, c'est 1840-1902. À travers le portrait de Claude Lantier, Zola évoque son ami Cézanne, que son intransigeance artistique semblait condamner à une carrière avortée. Celui-ci n'appréciera d'ailleurs pas du tout d'être décrit comme un génie impuissant, et leur amitié de 40 ans en sera ternie à jamais, bien que la prédiction de Zola se soit révélée fausse. « Avec Claude, a dit Zola, je veux peindre la lutte de l'artiste contre la nature, l'effort de la création dans l'œuvre d'art, effort de sang et de larmes pour donner sa chair, faire de la vie. En un mot, j'y montrerai ma vie intime de production, ce perpétuel accouchement si douloureux. » Saisi, immobile de joie, lui la regarda se dévêtir. Il la retrouvait. La vision rapide, tant de fois évoquée, redevenait vivante. C'était cette enfance, grêle encore, mais si souple, d'une jeunesse si fraîche. Et il s'étonnait de nouveau. Où cachait-elle cette gorge épanouie qu'on ne soupçonnait point sous la robe ? Il ne parla pas non plus, il se mit à peindre dans le silence recueilli qui s'était fait. Durant trois longues heures, il se rua au travail, d'un effort si viril qu'il acheva d'un coup une ébauche superbe du corps entier. Jamais le corps de la femme ne l'avait grisé de la sorte, son cœur battait comme devant une nudité religieuse. Il ne s'approchait point, il restait surpris de la transfiguration du visage, dont les mâchoires un peu massives et sensuelles s'étaient noyées sous l'apaisement tendre du front et des joues. Pendant trois heures, elle ne remua pas, elle ne souffla pas, faisant le don de sa pudeur sans un frisson, sans une gêne. Tous deux sentaient que, s'ils disaient une seule phrase, une grande honte leur viendrait. Seulement, de temps à autre, elle ouvrait ses yeux clairs, les fixait sur un point vague de l'espace, restait ainsi un instant sans qu'il pût rien y lire de ses pensées, puis les refermait, retombait dans son néant de beau marbre, avec le sourire mystérieux et figé de la pose. Claude, d'un geste, dit qu'il avait fini. Et, redevenu gauche, il bouscula une chaise pour tourner le dos plus vite. Tandis que, très rouge, Christine quittait le divan. En hâte, elle se rhabilla, dans un grelottement brusque, prise d'un tel émoi qu'elle s'agrafait de travers, tirant ses manches, remontant son col, pour ne plus laisser un seul coin de sa peau nue. Et elle était enfouie au fond de sa pelisse que lui, le nez toujours contre le mur, ne se décidait pas à risquer un regard. Pourtant, il revint vers elle, ils se contemplèrent, hésitants, étranglés d'une émotion qui les empêcha encore de parler. Était-ce donc de la tristesse, une tristesse infinie, inconsciente et innommée ? Car leurs paupières se gonflèrent de larmes, comme s'ils venaient de gâter leur existence, de toucher le fond de la misère humaine. Voilà, alors l'œuvre est disponible chez Gallimard Folio Classique pour moins de 5 euros. Vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. On redonne le numéro de la librairie, de téléphone, 01 48 05 34 08. Et puis pendant qu'on est au numéro de téléphone, le numéro du studio, vous pouvez nous appeler hein, pendant l'émission, 01 43 71 89 40. Et pour pouvoir continuer à profiter de cette radio libre, de toute publicité, qui n'a aucune référence à un dieu ou à un maître quelconque, il est possible d'adhérer à l'association des Amis de Radio Libertaire, c'est-à-dire de
d'autoriser un prélèvement sur vos comptes bancaires suisses ou caraïbéens avec un soutien normal de 5 euros par mois qui vous seront soutirés sauvagement, plus si vous le pouvez évidemment. Si affinité. Oui, si affinité, de manière à ce que notre radio puisse continuer à émettre dans les meilleures conditions. Il y a aussi la carte d'auditeur de Radio Libertaire, 20 euros pour l'année. Je peux pas vous dire de la voler puisque elle est pas exposée, elle est pas à portée de toutes les mains, mais bon. Si vous pouvez faire cet effort, tant mieux. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Hein. Faut pas vous culpabiliser. C'est pas une obligation, mais c'est intéressant pour ceux qui peuvent le faire. Voilà. Aussi, on parle un peu des prisons et des militants d'Action Directe qui ne sont toujours pas libérés. Alors, Jean-Marc Rouillant, Régis Schleicher et puis Cipriani... qui sont toujours je sais pas comment on peut dire ça tellement c'est horrible, enfin après 30 années de placard ils sont toujours en but aux espèces de d'acharnement du parquet qui je rappelle aux ordres des gogos qui squattent les palais de la République. Alors, il y aura un rassemblement le jeudi 2 juillet de 18h à 19h en face de la direction de l'administration pénitentiaire Carrefour, rue de la Verrerie, rue du Renard, Paris 4e, métro, hôtel de ville. Et une soirée de soutien le lundi 13 juillet à partir de 19h30 qui se tiendra au CICP, c'est bien ça. 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e, métro rue des Boulay-Nations. Soutien de 5 euros pour l'entrée, un apéritif offert et menu gargote à prix libre. Voilà. Si vous partagez notre révolte à propos de cet acharnement contre ces gens qui, par exemple, Rouillant est très malade. On se souvient de Ménigon aussi qui était quasiment morte et qu'on fait toujours chier grave, quoi. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que, un minimum d'humanité après tout ce temps passé, je crois qu'ils ont payé, s'ils devaient payer, en tout cas, de cette manière-là. Leurs actes, qu'on leur lâche maintenant la grappe, s'il vous plaît. Voilà, et puis vous toujours la bibliothèque La Rue, située 10 rue Robert Planquette, métro Blanche, ouverte tous les samedis de 15h30 à 18h, uniquement le samedi. Vous pourrez trouver des bouquins que vous pouvez trouver aussi à la librairie Publico, mais enfin il faut un peu varier les plaisirs. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Ah non, il y a la fête aussi. La fête de... Il y a encore une manif. La fête du livre libertaire, le samedi 4 juillet, à partir de 13h, 33 rue des Vignoles, métro Avron, rue Buzinval. Alors, livre neuf et l'occasion, une buvette. Et c'est organisé par les éditions de la CNT. Le samedi 4 juillet, samedi qui arrive. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes avec le calendrier, comme moi. Bien, on va maintenant, si Igor le veut bien, passer une petite musique choisie par notre camarade Jean, mélomane averti.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, qui n'a toujours pas perdu son espèce de ire envers tous les dieux et tous les maîtres, et la publicité. À Racaille, la 26e, vous avez reconnu notre clandestin préféré, Igor, qui est à la régie, qui fait un très très bon travail en l'absence du social traître, qui nous a toujours pas rejoint. Et puis Jean, qui aussi partage une partie de sa vie avec Raymond La Science, c'est un espèce de comme ça, de dédoublement de personnalité. C'est Master Hyde et Dr. Jekyll. Et Dr. Jekyll, voilà, qui va nous causer dans le poste justement du pote Azola et de la montagne 5-3. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Et quand je dis histoire de chef-d'œuvre, vous pouvez mettre chef-d'œuvre au pluriel. Hein. C'est la montagne Sainte-Victoire de 1882 à 1887, et puis de 1902 à 1906 par Paul Cézanne. Cézanne, c'est 1839-1906. La montagne Sainte-Victoire domine de toutes parts le pays aixois. Tu connais un peu la région? Oui, tout à fait. Ouais. Culminant à 1011 mètres, c'est quand même assez haut, hein, elle est célèbre dans le monde entier grâce à Cézanne, qui en fit donc, comme je l'ai dit, de 1882 à 1887, plus de 1902 à sa mort en 1906, quelques 44 huiles et 43 aquarelles. Il était né à Aix, là je suis en train de montrer une huile, hein, c'est une huile ça, à Robert. Je précise au passage que les images, je les ai déjà mises en ligne, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont accès à Internet en même temps. Je les ai déjà mises en ligne sur le blog de l'émission, hein, http://arracaille.blogspot.com. Donc vous pouvez les visualiser en même temps que vous m'écoutez. Cézanne était née à Aix en 1839, au 28 de la rue de l'Opéra, pour ceux qui connaissent la ville, comme Robert. Hein. La première série d'études est réalisée alors que Cézanne loue un cabanon qui lui sert d'atelier à la carrière Bibémus, au pied de la Sainte-Victoire. La seconde est réalisée, ou sera réalisée, après qu'il ait acquis un terrain sur le chemin des Lauves, qui domine Aix, et qu'il s'y soit fait construire un atelier. Dans les premières études, quelques éléments du paysage sont encore identifiables. Champs de blé, route des Alpes, toit rouge des Bastides ou de l'usine électrique. Et puis Cézanne va inventer cet art primitif qu'il appelait de ses voeux, le cubisme, ou qu'on a appelé le cubisme ensuite, hein, à force de répéter le même motif, vu de points à peine différents. En 1896, Numa Coste écrit à Zola, il a loué un cabanon aux carrières du barrage. Il n'était pas encore... l'histoire de l'œuvre ne les avait pas encore séparés à cette époque. Il a loué un cabanon aux carrières du barrage et y passe la plus grande partie de son temps. Ces carrières n'étaient plus exploitées depuis quelques décennies. Leur exploitation s'était étendue de la période romaine à la fin du XVIIIe siècle, et les parois de molasse calcaire conservent des stries obliques résultant des coups de pique portés par les marbriers. Dans ce paysage chaotique, abandonné des hommes, Cézanne peint sans relâche, ou à peine, des motifs qui sont encore identifiables aujourd'hui, comme plusieurs vues de la montagne Sainte-Victoire depuis Bibémus. Il est à noter que la ville d'Aix a judicieusement choisi de proposer aux visiteurs un accueil minimaliste, en considérant que ce site est une grande fouille archéologique, un amas de blocs et un lieu de vie végétale qu'il ne faut pas perturber. Donc les choses ont été laissées à peu près en cet état et on tente de les garder comme ça, pourvu que ça dure. Hein. Ça, c'est pas garanti quand même. Une histoire d'exploitation commerciale qui pourrait bien modifier les choses. Mais ça veut dire qu'ils ont voulu protéger quoi? Ben, le site, si tu veux, tel qu'il a pu inspirer Cézanne. À cause de Cézanne, donc. Oui, à cause de Cézanne. Parce que, si tu veux, la ville d'Aix propose un certain nombre de parcours sur Cézanne, ouais, et qui tiennent compte, évidemment, de tous les lieux où il a pu travailler, s'installer, tout ça. La carrière Bibémus, on est... Je veux pas utiliser un mauvais exemple. J'espère que... Non, alors ne l'utilise pas. Non, un exemple, par exemple, au pont de Monet. Mm-hmm. Il paraît qu'on peut toujours voir. Vous rappelez ce nénuphar quand il a peint, et puis un pont chinois. Oui, bien sûr, japonais. Japonais. Et il paraît que c'est toujours comme ça. Mm-hmm.
Et par rapport à Cézanne, j'ai aussi lu que il y a dans son atelier, je sais pas, il a pas travaillé à Aix. Il a travaillé dans un petit bled, non? À côté d'Aix. Oui, mais à côté ou à Aix même ou dans voilà. Ou à côté. Oui. Et là quand il a travaillé, il y avait une vue de ses fenêtres, mm-hmm. qu'il a peint aussi. Et ça, probablement la ville d'Aix aussi, ils ont protégé. Donc on peut rentrer dans son atelier et voir les mêmes vues que ce qu'on peut oui, voir. Ben c'est celui des Lauzes dont j'ai parlé un petit ah, peu oui. plus haut. Ouais. Excusez-moi, mes chers auditeurs, mais... j'étais absent. Donc oui, j'ai oui, pas non, entendu. Fait, non, non, mais c'est là qu'il a fait. C'est ça, c'est un endroit, si tu veux, un terrain qu'il avait acheté ouais. et sur lequel il avait fait construire une maison à atelier. Ouais, voilà, ouais. C'est ça qu'on peut visiter dans un des parcours prévus par la ville. Hein. Tu vas mettre sur le site. C'est mis déjà. Dessin. C'est fait déjà. C'est déjà fait, oui. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est ouais, une bonne chose. Voilà. Il y a ces couleurs là, moi c'est fantastique. Il est mignon, Igor. Moi je suis. Igor, il aime la peinture. J'étais nourri par les impressionnistes depuis 20 ans. J'étais en Slovaquie quand on se sent un peu malheureux en se disant mais de toute façon on veut faire quelque chose, on veut montrer quelque chose, mais on peut pas. On est dans un petit pays où personne nous connaît, on peut pas percer, etc. Donc on se lance dans la littérature. Mmh. On se lance dans tous ces. Enfin, moi j'ai choisi les impressionnistes et j'ai lu toutes ces histoires, toutes les bio, tout, etc., etc., etc. Et donc à chaque fois quand je vois un tableau d'impressionniste, ça me fait un peu frissonner parce que ça me fait penser à mes années il y a 10 ans encore. À ta jeunesse, c'était ta jeunesse, oui. Igor. En février 1904, Émile Bernard accompagne César sur le motif au pied de la Sainte Victoire, montagne hardie, hein, selon ses propres termes, qu'il ne cessait de peindre à l'eau, comme à l'huile, avec une admiration teintée de fascination. En installant son chevalet, ses toiles, sa boîte à peinture, sa palette et ses pinceaux à proximité du chemin de la Marguerite, Cézanne se trouvait au point de vue le plus élevé par rapport à la Sainte Victoire. Il se protégeait du regard des indiscrets à l'abri d'ombrelles de paysagistes. Je ne sais pas si... Non, Robert, toi, tu ne peins pas sur le motif, hein, de toute façon. Parce que je t'imaginais très bien avec une ombrelle. Non, non, mais je ne peins pas sur le motif, mais c'est un rêve que je réaliserai, que je devais réaliser cet été, mais c'est reporté. En plein air c'est de ça qu'on parle. Eh bien, le 15 octobre 1906, un orage éclate. Et Cézanne reste plusieurs heures à peindre sous la pluie. Une syncope le foudroie. On le ramène sur une charrette de blanchisseur et deux hommes le portent dans son lit. Le lendemain matin, il est de retour à l'atelier des Lauves, donc celui dont on parlait tout à l'heure, pour y travailler à un portrait le lendemain de sa syncope. Hein. Celui qui voulait mourir en peignant verra son vœu presque exaucé puisqu'il s'éteindra une semaine plus tard des suites d'une pleurésie. Quand on est né à Aix, écrivait Cézanne, c'est foutu. Rien d'autre ne vous dit plus. Nul doute qu'il pensait d'abord à la Sainte Victoire. Bien sûr. Ah non, ça c'est... l'histoire de l'œuvre, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus pour inciter notre auditeur préféré, s'il ne l'a pas lu, de le faire très très vite. Et après, il pourra plus ignorer les émotions, les impuissances qui peuvent traverser la vie d'un artiste. Voilà. Bien, Igor. Non, non, Igor, t'as quelque chose à nous raconter, là? Te sauve pas? Ah oui. T'as rien préparé? Ah oui, parce que moi je sais jamais, hein. Des fois ils veulent la musique, des fois ils veulent que je raconte, des fois raconte, t'as 2 minutes, 3 minutes. Non, tu as tout. Oui, oui, j'ai pas grand chose, donc étant donné que ma petite histoire parisienne c'est fini, à Rakaï, la prochaine fois, quelque chose de systématique, ça va être un autre livre, mais bon, il faut attendre un petit peu. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes expériences, des choses qui se passent dans la rue, ce que j'ai vécu, surtout ce que j'ai vécu, parce que j'ai enfin vécu. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de la sécurité des sans-abri, mais quand ils sont en mouvement, parce qu'il faut savoir une chose, que
Il y a sécurité, le souci de sécurité quand on est en mouvement ou quand on dort. C'est deux choses complètement différentes. Quand on vit dans la rue, quand on dort, comme par exemple quand on vit à la maison, c'est la même chose. On ne sait pas si, quand on ronfle, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui, si on dort bien, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, etc., etc. Donc, on est inconscient. Par contre, quand on est en mouvement, donc la nuit en mouvement, c'est de ça que je veux parler, parce que faut savoir une chose. On voit les sans-abri se déplacer en ville le soir, par exemple. Oui. Dans la journée, c'est pas tellement problématique, parce que il y a un mouvement toutes les Parisiens en ville, donc c'est pour tout le monde, c'est pareil pour les sans-abri. Mais la nuit, c'est surtout la nuit. Donc quand on voit les sans-abri se déplacer le soir, il faut savoir que cet homme va peut-être encore marcher des heures et des heures, peut-être jusqu'à 1h du matin, peut-être jusqu'à 2h du matin, on sera déjà nous au lit, enfin vous, parce que moi je suis plutôt de côté des sans-abri encore, mais enfin, en théorie, vous serez déjà au lit, vous serez déjà bien au champ, lui il sera encore en mouvement. Et moi je vais vous dire pourquoi il sera encore en mouvement, par peur de s'endormir. Parce que souvent, je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis barbus qui essaient d'éviter la sommeil. La sommeil, ça c'est une autre histoire, ça je vais parler un autre jour. Mais un mouvement, c'est quelque chose qui nous préserve, qui nous... On peut se défendre par mouvement. Il faut savoir une chose. Quand un sans-abri, il est plus en sécurité des fois, quand il marche, il est plus en sécurité la nuit que le jour. Parce que dans le monde des sans-abri, il y a des règles, il y a des compte, il y a des bagarres, il y a toutes sortes de mauvaises choses, et on sait jamais quand est-ce que notre adversaire va nous rendre le coup. Donc on adapte une sorte de paranoïa qui nous oblige à se retourner tout le temps. Je suis encore dans des gens dans la rue, quand ils me voient, ils pensent que je me retourne derrière les belles filles voir les fesses. Souvent c'est le cas. Mais quand même, même un peu d'honnêteté. Attention aussi, à toutes tes groupies là, elles vont quand même. Oui, mais par rapport à ce que ça peut être, c'est encore mieux de se retourner derrière les belles filles que de se retourner par une habitude, parce que quand j'ai vécu dans la rue, et quand on vit dans la rue des années, on prend beaucoup d'habitudes, et après c'est difficile à s'en débarrasser. Et une de ces habitudes, c'est de se retourner tout le temps. Moi, personnellement, j'ai pris un coup de couteau assez profond par un adversaire qui m'a doublé, donc qui est venu par derrière et il m'a piqué par devant. Donc à partir de cette expérience, je me suis retourné à tout le temps. Et le jour, c'est le problème. Mais la nuit, imaginez une chose, les gens ne savent pas que la nuit, on se sent plus en sécurité parce qu'on voit les ombres des néons qui viennent de derrière. Donc on voit que personne derrière nous. Mmh. On entend quelque chose et on voit par rapport à cette ombre, on peut voir s'il est encore loin ou il est tout près, parce que l'ombre il grandit et puis voilà. Mmh. On prend une telle habitude de travailler avec toutes ces ombres qu'on se sent dans notre élément. Donc quand on est en mouvement la nuit, c'est pas seulement parce qu'on a froid, c'est pas seulement parce qu'on va quelque part, c'est aussi par refus de devenir inconscient dans le sommeil. D'accord. Bon, vous voyez que la vie de SDF, c'est pas une vie qu'on peut dire paisible. Le jour, la nuit, toujours sur leur garde, ouais, bon.
Eh bien, Igor, voilà, on va écouter une musique choisie par notre chef musicien. Et puis après, une histoire de Jean. L'été 71, après une boucherie sans nom, un vieux militant communard écrivit cette chanson. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ses idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leurs mots, et de leur mort naissait l'espoir. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le chant humain. C'est la lutte. Potier pauvre fédéré, le monde avance à reculons. L'authentique internationale, c'est celle du fric et des cons. Privilège, indifférence, égoïsme, fin dans le monde, idée bafouée. Allons, courage, tout reste à faire. Nous sommes toujours des assiégés. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le champ humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Radio Libertaire, merci Jean de nous avoir choisi cette chanson qui nous réveille un peu. donc toujours Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille la 26e, avec toujours les mêmes, les trois... Oui, on peut pas dire trois mousquetaires, parce que... Ah si, parce que le quatrième, lui, est un petit peu... Il se promène en ce moment, dans la préfecture et on ne sait pas quoi. Bien, Jean, avec sa une nouvelle histoire concernant le père Picasso. Oui, Picasso à Vauvenargues, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de peintre. Vauvenargues, c'est de 1959 à 1965. Alors, vous allez voir où je veux en venir, hein, à force. Jusqu'à sa mort, Pablo Picasso poursuivra inlassablement la réponse à une double interrogation sur la femme et sur la peinture. Il est un peu dans le même état que nous, hein, qui furent au centre de sa vie comme de son œuvre. Surtout celui de Jean. Quand on demande à un quidam, qui peut d'ailleurs être un homme, hein, quel lieu il associe spontanément à la mémoire du peintre, la réponse est presque toujours le château de Vauvenargues. Picasso y a pourtant vécu et travaillé peu de temps, de 1959 à 1965, donc comme je le disais, il cherchait un lieu où abriter ses amours avec la dernière femme de sa vie, Jacqueline Roch. Fin septembre 1958, Daniel Henri Kahnweiler, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, reçoit un étrange coup de fil de Picasso.
J'ai acheté la Sainte Victoire de Cézanne, lui annonce le peintre d'une voix fiévreuse. Laquelle ? Lui demande le marchand, qui ne pense qu'à la peinture, et accessoirement aussi à ce qu'elle peut rapporter sans doute, et qui a déjà vendu au peintre plusieurs toiles de Cézanne. Mais j'ai acheté l'original, lui répond Picasso, qui a décidément du mal à cacher son excitation. Il aura en effet suffi d'une seule visite à Vauvenargues pour que Picasso tombe amoureux de ce petit village situé à une quinzaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Jacqueline et moi avons eu le coup de foudre, racontera-t-il. C'était le matin. Le marché était encore sur la place du village. Les paysans parlaient catalan et les étalages de fruits et de légumes ressemblaient tant à ceux de chez nous. Là, tu t'égares, Pablo. Le catalan à Aix-en-Provence. Excuse-nous, hein, on peut peut-être avoir quelques doutes. Le provençal, non, peut-être, je sais pas. Bon, certainement même, enfin bref. Et ce que Picasso est vraiment venu voir ce matin-là, c'est le château qui, sur un éperon rocheux, surplombe le village. Cette forteresse du XVIe siècle est en effet à vendre. De sa terrasse comme de ses fenêtres, on ne peut échapper à la Sainte Victoire. Sa masse rocheuse et ses flancs sinueux barrent tout l'horizon. 6 jours plus tard, il annonce à Jacqueline qu'il lui offre le château, ainsi que les 1200 hectares de terre attenants. Ouais. À Vauvenargues, Jacqueline et Pablo trouveront une quiétude que leur résidence cannoise ne leur offre plus. Il faut dire qu'à l'époque, hein, Picasso était vraiment, je dirais pas aussi célèbre que Jésus-Christ, mais que les Beatles en tout cas certainement. Une seule rue traverse le village et le château lui-même est plutôt sévère. « Je suis espagnol, j'aime la tristesse », se justifiait-il. Cette année, je parle de maintenant, hein, cette année 2009, Catherine, la fille de Jacqueline, a décidé d'ouvrir les portes du château jusqu'en septembre à un public choisi, puisque la visite s'effectue en compagnie d'un médiateur. Je crois qu'il faut s'inscrire auprès de la mairie ou de l'office de tourisme d'Aix-en-Provence. À l'entrée de la propriété, un tertre herbeux est surmonté d'une sculpture emblématique de Picasso, la Dame à l'offrande, réalisée pour l'entrée du pavillon de la République espagnole à l'exposition internationale de 1937 à Paris. Rien, aucun signe, aucune inscription n'indique que Picasso, mort en 1973, et son épouse Jacqueline, décédée en 1986, reposent ici, sous cette terre. Ah oui. Eh oui, qui était sacré pour Picasso puisque c'était celle de Cézanne, notre père à tous, comme il aimait à le répéter. Ah, quelle émotion j'en rends, moi là, ça me... Enfin, je ne pleure pas parce que j'ai un mec, hein, faut pas pleurer quand on est un mec. Mais c'est vraiment bouleversant, non, parce que quand on connaît un peu. Ah oui. Ah, voilà, je montre. Elle est enterrée là-bas. Ouais. Absolument. Ouais, sous ouais, le tertre herbeux, ouais, surmonté de ces sculptures, il n'y a pas une seule inscription. Voilà. Qui indique que c'est précisément à cet endroit qu'il est enterré avec Jacqueline Rock. C'est choquant. C'est choquant que. Mais non, ils l'ont voulu comme ça. Non, c'est choquant que c'est pas indiqué. Mmh. Ben oui, mais c'est. Oui, mais je suppose que les. Ah, ils ont voulu que ça sera. Je suppose que pendant les visites qui vont être organisées, qui sont organisées là, depuis le mois de juin, je crois, depuis le 1er juin jusqu'à la fin septembre. Mais c'est magnifique. Je suppose que les guides vont expliquer. Oui, le château, oui. Oui, c'est autre chose que la Californie sur la croisette. Hein. Oui, exactement. Mmh. La Californie, c'était vraiment une horreur. Ça, ouais, c'est. Ouais. Ouais. Et j'aime bien la réflexion de Picasso. J'aime la tristesse parce que je suis espagnol. C'est juste. Ouais. Non. Sa peinture n'est pas très gaie d'ailleurs. Ouais. Même s'il dirait j'aime la tristesse parce que je suis sicilien, ça m'ira aussi. Oui, probablement. Bah, la Sicile a été longtemps occupée par les Espagnols et puis par les Sarrasins aussi. Donc ouais. Et c'est tout ça, c'est un joyeux mélange qui engendre la mélancolie. Ouais. Et moi, j'aime de la vodka parce que je suis slovaque. Faut prendre du recul, mes chers auditeurs. Ouais, quand on est slovaque, il faut, pour atteindre à la gaieté, vous avez compris qu'il faut un peu d'aide. Quand on est slovaque, on est un peu polonais. Et quand on est un polonais, on est un peu russe aussi. Donc la vodka des beaux jours devant elle. Ouais.
Bien, enfin, voilà. Merci beaucoup, Jean. On n'en a pas fini avec Aix-en-Provence, comme vous verrez plus tard. Ah, on a, ouais, il y a tellement de une choses, autre histoire de Jean. Ah, oui, 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 une autre histoire de Jean. Bon, ben, merci beaucoup. On en apprend tous les jours, pas tous les jours, mais tous les mardis, des nouvelles. J'espère que ça vous fait du bien, en tout cas, entre les deux oreilles, au moins. Vous avez droit à des cours d'histoire de l'art gratos, et ça, sur Radio Libertaire. Et sur Art Accueil, la 26e, une émission hautement culturelle. Et militante. Et militante. Ah oui, et militante, n'est-ce pas, Igor ? Oui. Oh,
c'est impossible. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Avec Igor, Jean et Robert. Voilà, alors Jean, dans une petite minute, va vous raconter une ultime histoire d'art d'artiste. Avant, je vous fais encore deux petites annonces, trois petites annonces, concernant la librairie Publico, où Jean vous incite toutes les semaines à aller faire vos provisions de bouquins, à la suite de son commentaire, de sa citation, de son commentaire sur un artiste. Aujourd'hui, c'était sur l'œuvre de Zola, que vous pouvez trouver à la librairie Publico, mais vous pouvez aussi y trouver toute une littérature militante, mais pas que militante, mais intéressante, que vous trouverez probablement difficilement ailleurs. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, comment on appelle ça toutes les semaines, un hebdo en couleur, 20 Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein, 26 pages, je pense. Ça n'a pas toujours été en couleur. Ça n'a pas toujours été en couleur, oui, non. Avec des illustrations intéressantes, des textes qui ne sont pas moins, que vous pouvez trouver dans quelques kiosques à Paris, des kiosques qui ont du bon goût, et que vous pouvez trouver, bien sûr, à la librairie Publico. Jean vous a donné son numéro de téléphone, je vous le redonne, 01 48 05 34 08. Le Monde Libertaire, que tout le monde devrait lire. Vous pouvez même abandonner la lecture du Canard Enchaîné, c'est pas grave. Hein. Si dès l'instant que vous lisez Le Monde Libertaire, vous êtes pardonné. Les deux, c'est bien. Les deux, c'est bien. Mais enfin, il faut avoir de la thune, quand même. Et du temps, ouais. Et puis, les éditions du Monde Libertaire, qui publient aussi quelques livres par an, que vous pouvez trouver à la librairie Publico. Voilà, j'ai fini mon petit boulot d'information militante. À toi, mon cher Jean. Mais tu nous avais dit deux ou trois annonces. Bah oui, c'est celle-là. Ah bon? Ah oui. J'ai ma minute qui dure un quart d'heure. J'ai fait la librairie Publico. J'ai fait la librairie Publico, j'ai fait le Monde Libertaire, j'ai fait les éditions du Monde Libertaire. Ah, il recommence. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bah, je sais pas, dire que si vous n'avez pas de fric, vous achetez le Monde Libertaire et vous piquez le Canard Enchaîné plutôt que l'inverse. Voilà. S'il vous plaît. C'est très bien, Jean. J'aurais dû. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mais il veut toujours. Il est dans tous les compartiments du jeu, c'est le meilleur. Oh non, écoute, arrête ton cinéma. Je voulais dire aussi que les musiques que nous avons entendues jusque-là, c'était Léo Ferré, bien sûr, vous avez reconnu d'abord Cette blessure et ensuite C'est ton style. Et puis on a eu l'international façon François Béranger. Ah, génial. Ça, c'était pas mal. Un petit air de messe pour finir, c'est quand même un grand, grand souvenir. Et puis là, c'était Moby. Why does my heart feel so bad? Très connu. Ouais. Merci, Jean. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Maus, 1980-1991, par Art Spiegelman. Alors on s'éloigne un petit peu d'Aix-en-Provence, mais. On y reviendra avec les expos à la fin de l'émission. En 1978, Art Spiegelman, c'est un auteur de BD underground, hein, américain, forme le projet de réaliser une bande dessinée sur le parcours de son père, juif d'origine polonaise, pas slovaque, désolé, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ce faire, le dessinateur se rend chez son père et écoute le récit que lui fait ce dernier de son expérience des ghettos et des camps de la mort. Maus est donc la retranscription de ce témoignage poignant et sans phare au cœur de la barbarie nazie. Mais c'est aussi l'histoire d'un père et d'un fils que cette entreprise commune va amener à renouer une relation distendue par des années d'incompréhension. Il faut savoir que le fils aîné, adoré, du père, hein, j'ai oublié son prénom, était mort en déportation. Et Art Spiegelman ne put jamais le remplacer dans le cœur de son père. Il y a de quoi avoir quelques problèmes relationnels. Hein. Maus va dans le sens de tous les témoignages des rescapés des camps et, comme les autres récits, renchérit dans l'atroce. Les rares moments de répit, de gestes ou de sentiments humains ne font que rendre le récit encore plus insoutenable. Maus ajoute toutefois, une nouvelle dimension à l'horreur par le choix a priori discutable, qui s'est révélé être fantastique, hein, mais de la bande dessinée, genre estimé tout à fait mineur à l'époque. La force de cette œuvre
et de raviver ce que l'on sait de la Shoah en provoquant d'une façon nouvelle, nous donnant littéralement à voir cette réalité. Au plan formel, la sobriété du graphisme renvoie à celle de l'écriture concentrationnaire telle que l'on choisit Primo Levi, Imre Kerstetz ou encore Elie Wiesel. L'œuvre cite d'ailleurs Samuel Beckett. Chaque mot est comme une tâche inutile sur le silence et sur le néant. Le trait est dur, épuré, épais, monochrome. Le dessin ne romance en rien la réalité dont il rencontre l'indicible noirceur. Il a peut-être aussi un sens plus métaphysique. S'agit-il de rendre compte de l'essence de l'existence de ces souris qui se réduisaient à sa plus pure expression, c'est-à-dire la vie et la mort. Il reflète la simplicité et la sobriété du récit du père qui ne verse jamais dans le pathos. L'autre trait frappant est le choix de la représentation de ces personnes par des hybrides d'hommes et de bêtes. La souris, c'est le juif. Je rappelle enfin, qu'en allemand, hein, souris se dit « Maus ». Le chat, c'est l'allemand. Le chien, l'américain. La grenouille, c'est le français. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Il aurait fait un petit tour en Angleterre. Je vois encore le petit cochon. North Arch Spiegelman. Oui, tu vas le voir. L'élan, c'est le suédois. Oui. Le porc, je suis désolé, ou le cochon, comme tu préfères, Igor, c'est le... Polonais. Mais attention, hein, ça reprenait en fait, c'est de l'ironie. C'est par rapport à la propagande nazie hein, qui représentait le polonais sous la forme d'un cochon. Hein. Le poisson, c'est le britannique. Ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Hein. Bon, parce que c'est froid en britannique. Oui. Et ça se faufile. Et ça se faufile, oui, c'est exactement. Oui. On ne peut pas l'attraper. Ah, peut-être pour ça. L'auteur a-t-il aussi voulu signifier que le monde est soumis à la loi de la jungle ? En tout cas, cela rend compte de la négation de l'individu au profit du groupe. L'on ne vaut et l'on ne vit pas pour et par soi-même, mais l'on est rattaché de façon presque essentielle à une espèce particulière confrontée à une autre. Il faut, pour se connaître soi, comprendre le passé de sa propre espèce. Mais, comme pour beaucoup d'enfants de survivants des camps, le sentiment de la culpabilité hein, de Spiegelman d'avoir une vie meilleure que celle de ses parents est énorme. Hein, et Maus ne peut qu'à peine l'atténuer. Voilà. Alors cet ouvrage extraordinaire a reçu le prix Pulitzer en 1992. Après la parution du tome 2, il a d'abord été publié en épisode dans des journaux. J'ai oublié le nom, RAC. Je crois que c'était une revue, RAC. Tout à fait. Et puis, il a ensuite été publié en deux tomes. En France, c'est Flammarion, je crois, l'éditeur Flammarion, qui a les droits. Voilà. Maus par Art Spiegelman, hein, une des œuvres graphiques les plus importantes. Et tu sais où on peut le trouver Ah, moi, je pense qu'en librairie, c'est assez facilement. Donc. À la librairie Publico, donc 145 rue Amelot. Ce truc, dans le 11e arrondissement de Paris. Oui. C'est déjà sur le blog ? Oui, uniquement ce dessin-là. Je n'ai pas. Je ne connais pas d'autres, mais ce dessin-là, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec des bandes dessinées. Pour moi, je vais vous dire ce que je pense, ce que je sens. C'est d'une dureté. Limite vulgarité, c'est tête des animaux dans leur costume des camps de concentration, c'est quelque chose horrible. Ce qui est arrivé à faire, mais il voulait faire horrible. Donc, c'est terrible. Mais je me demande si c'est pas paru dans Prophète dans Charlie Hebdo, à cette époque-là, il me semble que j'ai vu. J'ai vu des extraits de cette BD dans Charlie. Ah bon ? Moi, j'ai pas le souvenir, non. Non, Charlie Hebdo mensuel ? Tu sais. Lequel ? Bah, c'est le vrai, quoi. Il y a celui des années 70, quoi. C'est si simple. C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Il faudrait voir ça. Est-ce que ça a été effectivement publié en France sous forme d'épisode ? Je regarde dans ma collègue. Là, j'en ai. Je l'ai pas vu ça. J'en ai quelques-uns. Je vais regarder. Mais en tout cas, bon, c'est la Shoah. C'est une vision de la Shoah qui est peut-être plus. Ça a été un vrai choc. Hein, ouais, tout à fait. Toute la parution de Maus. Voilà.
Ben merci Jean. On est bon, enfin bref, il est toujours difficile de commenter ces choses-là, n'est-ce pas Igor? Oui, bon.
Radio Libertaire, à Racaille, la 26e, toujours avec vous et avec Jean pour ses expos. Oui, alors parisienne ou non? Non, attention, je suis toujours sous le le contrôle sous le contrôle de Marie-Christine Béguet. Un gros bisou au passage. Je voulais juste dire aussi oui, ce qu'on a n'en profite pas. La zik qu'on a écouté là, c'était Massive Attack Protection. Bon. Alors on va retourner faire un petit tour en Provence. Hein. Marie-Christine, bon, c'est pas à côté d'Avignon, mais c'est pas très loin non plus, donc tu n'as pas d'excuses. Hein. C'est au musée Granet, l'exposition Picasso-Cézanne, c'est place Saint-Jean-de-Malte, 13100 Aix-en-Provence, c'est valable jusqu'au 27 septembre. C'est pas parce que tu as le temps qu'il faut en profiter. Hein. Peinture, sculpture, dessin et gravure, pour mettre en lumière les références majeures, les sources de réflexion et de méditation du peintre espagnol à propos de ce père, je mets ça entre guillemets, hein, en peinture, qu'il s'était choisi, Cézanne donc, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors il y a un gros bémol hein, dans cette exposition, c'est qu'il n'y a pas, je crois, à part une lithographie, j'ai cru comprendre, il n'y a pas une seule des montagnes de Sainte-Victoire de Cézanne. C'est un petit peu voilà. Curieux. Oui, c'est un peu bizarre. Enfin, ça n'empêche pas, je pense, qu'il y ait une queue monumentale pour visiter cette exposition. Mais voilà, pas une seule montagne Sainte-Victoire. Je ne sais pas qui a organisé ça comme ça. Ça paraît un peu aberrant. Et puis, Art Spiegelman, eh bien, ça, c'est à Paris. À la Galerie Martel, c'est au 17 de la rue Martel, dans le 10e arrondissement. Ça, c'est valable jusqu'au 11 juillet seulement. Hein. Il présente régulièrement Art Spiegelman, mais cette expo-là, c'est valable jusqu'au 11 juillet, donc faut un petit peu se dépêcher. Comme on l'a vu tout à l'heure, un dessinateur et éditorialiste essentiel, Art Spiegelman présente des originaux, des sérigraphies et quelques carnets de croquis dans l'écrin ludique et dépouillé de la Galerie Martel, pour ceux qui connaissent. Waouh ! Eh bien, nous nous acheminons tranquillement vers la fin de cette émission. Nous vous rappelons que c'est la dernière de la saison, que nous reviendrons le 1er septembre avec une grille, j'espère, riche de nouveaux invités dans toutes les disciplines artistiques de préférence, pas que les plasticos, mais les musicos, mais les théâtreux, mais les danseurs de claquettes, pourquoi pas, on a déjà eu une proposition dans ce sens d'ailleurs, et si les littérateurs, les poètes, les chanteurs, voilà, tous ces gens-là. D'ailleurs, si il y a parmi les gens qui nous écoutent des créateurs, des artistes, ils peuvent toujours nous contacter. On a un blog. Est-ce que Jean peut nous donner l'adresse du blog, s'il vous plaît? Oh, c'est toujours un plaisir. Camarade. C'est toujours un plaisir. Je peux épeler, on a encore un peu. Ah oui, en long, en large. http://. Je me demande si tout le monde sait ce que c'est qu'un slash. Ouais, c'est une petite barre inclinée. Voilà, la petite barre inclinée, quand elle est inclinée vers la droite. C'est-à-dire que le sommet de la barre est à droite. Hein. C'est la double slash, donc. http://. Arracaille, ARRACAILLE .blogspot.com. Voilà. Et puis, j'ai oublié de préciser que, si c'est terrible ça, qu'il y avait un lien. Bon. Sur la première page de ce blog, il y a un lien qui permet, enfin, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser à partir du 1er septembre, qui permet de nous envoyer des mails. Je crois que le lien s'intitule « Écrivez-nous pendant l'émission ». Et ça vous permet de nous envoyer des mails pendant l'émission. On les reçoit ici sur l'ordinateur dans la régie. Et la personne qui se trouve, celui d'entre nous qui se trouve en régie, peut nous passer, donc si vous avez des questions à nous poser, des choses comme ça, peut nous transmettre les questions ou les réflexions que vous pouvez faire en même temps qu'on fait l'émission, et on y répondrait comme ça en direct, avant que nous arrivions à maîtriser l'insert téléphonique, ça c'est pas encore fait. Bon. En septembre, on va encore réexpliquer ça, parce que c'est vraiment plus simple. Si on est au bureau, ou si on est chez soi, près d'Internet,
on écoute Arakai, c'est beaucoup plus simple de taper un petit message comme de téléphoner ici. Ouais. Même pour nous, c'est plus simple. Ouais. Pour vous aussi. Alors donc, n'hésitez pas, et si vous êtes, vous-même n'êtes pas artiste, si vous avez des potes artistes, parlez-en autour de vous. C'est une émission qui est faite pour les artistes, pour essayer, dans la mesure où on en est capable, d'apporter des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie d'artiste. On sait qu'il y en a pas mal qui galèrent parce qu'il n'y a pas grand-chose d'installer. Et puis c'est peut-être pas... Ah oui, avec notre nouveau ministre de la Culture. Frédéric. Frédéric Mitterrand. Mmh. C'est la famille des opportunistes notoires. Mais là, ah oui, c'est la question que je voulais te poser, Jean, mais bon, c'est peut-être un peu tard pour que tu puisses me répondre. C'est comment ce néant de jardin fait pour se rallier autant de gens dits d'opposition? Là, il y a un truc que je comprends pas du tout. Et je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il a un charme qui est un secret pour nous, hein, qui nous est caché. Il a un charme particulier. D'accord. Qui nous est totalement caché. Je ne lui trouve aucune sorte de séduction. Non. Encore moins physique qu'intellectuel, et c'est pas peu dire. Hein. Mais si tu veux, moi, je peux pas te... Non, bon, bah, écoute, bon. Pas, bon. Voilà, en tout cas, Frédéric, la paille et le grain. La paille et le grain, ça, c'était l'original. La graille et le pain. La graille et le pain. Bien, bah, écoutez, salut. À la prochaine, c'est-à-dire le 1er septembre. Salut à tous. Salut tout le monde.